très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News, votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes le 21 octobre 2020, prévu que les trois juges qui viennent d'être nommés par le président de la République puissent prester serment aujourd'hui au siège des institutions de l'Assemblée nationale. Mais comme vous le savez, cette affaire a eu beaucoup de points de divergence dans la classe politique congolaise. En ce moment même, vous allez comprendre comment les choses se déroulent. Le président sera là pour recevoir ces trois juges pour la prestation de leur serment en ce moment même. Mais hormis ça, l'Assemblée nationale et ceux de la majorité au sein des institutions dans la coalition FCC-CACH ont promis de ne pas prendre part à cet événement. Comment ça se fera avec vous? On va découvrir ensemble et nous allons y revenir. Suivez. Historique pour le Congo, ouais. On peut vraiment aujourd'hui voir la différence que ce pays marche sur le règlement. Je remercie le président de la République démocratique du Congo qu'il nous apprend à respecter les ordres de ce pays. Merci beaucoup. Même 145 élus directs et indirects. C'est un poids lourd qui vaut la peine d'être considéré comme une composante à part entière. Nous n'entendons pas boycotter une cérémonie aussi légale et constitutionnelle. Pour nous, l'état de droit commence par justement la désignation des magistrats et des juges qui sont réellement indépendants des forces politiques. Et c'est ce qui va être démontré tout à l'heure lors de la prestation de serment. Ceci va augurer une nouvelle ère. Et nous pensons que l'état de droit est en marche. Nous, AFDC Alliés, nous tenions à être présents à cette prestation de serment pour manifester cette volonté d'un état de droit, d'un état démocratique et du respect surtout des institutions de la République en commençant par la première, c'est-à-dire le président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Thank you.
les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux auprès de la Cour de cassation, les présidents de la République, dont trois sous sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en congrès, et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages et déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui posent. En outre, les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149 alinéa 1er de la Constitution sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il suffit de signaler 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution. Procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée sur des membres de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11 par 0072 du 20 janvier 2011, en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13 par 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14 par 021, du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16 par 070 du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18 par 38, 14 mai 2018, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance.
que nous appelions maintenant les nommer afin qu'ils soient présentés à la nation avant d'examiner la prêter le serment.
Mulete, Madiba Mathieu Gouné, et le professeur docteur Désiré Cachemire, qui m'ont aidé, révérendé, directeur de cabinet à aujourd'hui, l'état de droit a pris la racine et c'est cet état de droit qui va nous amener au développement. Ce que le président de la République avait promis au peuple est accompli aujourd'hui. Et vous avez vu, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit tout ce qui se trouve dans ce Congo, ils sont venus très nombreux. D'ailleurs, il n'y avait même pas de place pour s'y mettre. Et nous avons aimé l'humilité de notre chef de l'État. Il a pris tout simplement acte. Nous sommes assistés à un nouveau démarrage. Et nous croyons que le Dieu Tout-Puissant, il a toujours gardé notre président de la République. Il va continuer à le garder jusqu'à ce que ce Congo devienne un pays émergent. Merci beaucoup. Je suis très content du déroulement de la cérémonie. Généralement, quand on est invité dans ce genre de cérémonie, on voit souvent que ce sont les représentants du peuple seul qui sont là. Mais cette fois-ci, on a vu qu'on a associé directement la population. Et je crois que comme les juges ont palpé la réalité de la population, parce qu'ils étaient ensemble dans cette salle, je crois qu'en sortant d'ici, ils vont dire le droit et comme il faut. Je crois que cette façon de faire est vraiment dans la ligne droite de la vision du président de la République qui a promis l'événement du droit et de redorer les blasons. C'est protocolaire. Comme c'est protocolaire, ça n'est... D'ailleurs, l'absence des personnalités qui devaient venir ici n'annule pas l'ordonnance du président de la République. Donc, je ne crois pas d'une loi dans notre constitution qui dit que si ces gens sont absents, ça annule l'acte. L'acte de la nomination ne peut pas être annulé. Ça peut être abrogé par l'ordonnance du chef de l'État. Donc, moi, je crois que c'est protocolaire. On ne peut même pas en faire un problème. Enfin, il y a des gens qui ont des agendas, la rentrée scolaire des enfants, il y a ceux qui sont malades, peut-être qu'ils sont partis faire autre chose et ils ont pleinement le droit de les faire. Être député, président de l'Assemblée, ne dit pas qu'il va être esclave de la nation. Si vous avez votre occupation ce jour-là, vous pouvez être absent, il n'y a pas de problème, on va toujours être excusé. Ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est aujourd'hui qu'on a consacré l'indépendance de la justice congolaise. La justice est devenue indépendante à partir d'aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'ai retenu. Parce que si nous avons une justice qui ne peut pas recevoir des injonctions, ça serait une très bonne chose pour nous. Moi, je ne sais pas. En rapport avec la prestation des serments, ce n'est pas l'article 154. C'est l'article 10 qu'il faut bien lire et comprendre. Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, effectivement même 154, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le peuple congolais, devant l'Assemblée, devant le Sénat, et c'est le président de la République qui reçoit les serments. Donc, ce n'est pas devant le Congrès. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que c'est devant le Congrès. C'est devant le peuple congolais
représentés par les députés nationaux et les sénateurs, et nous étions là, plus de 160, c'est déjà une bonne chose. Le CACH n'a pas 160 députés et sénateurs, ça montre qu'il y a une majorité qui est en train de se redessiner dans ces deux chambres. Je n'ai pas violé, je suis libre, il n'y a pas un mandat impératif. Le mandat impératif est nul. Personne ne peut m'intimer l'ordre de ne pas assister à une plénière ou de venir assister. Je suis libre, j'ai été élu chez moi à Luebo, seul, devant mon peuple, c'est devant ce peuple que je dois. Pas devant un président d'une chambre qui va me dire de ne pas assister à la cérémonie. Je suis venu assister à la cérémonie, soutenir mon chef d'État et je suis de CACH. Nous pensons que y a toujours des hauts et des bas. On a mal agi, mais moi je pense qu'il n'y a pas de problème. S'ils veulent qu'on continue avec la coalition, on va continuer. Et s'ils estiment que c'est un divorce, nous allons consommer, nous allons nous prendre en charge. Bon, je ne sais pas, c'est un chef d'État pour tout le monde, pas seulement pour la famille politique de l'ancien président. Nous estimons que le chef d'État doit rester impartial comme il est jusqu'aujourd'hui et qu'il fasse son travail et qu'il laisse indépendante la justice comme il est en train de lutter pour ça. Nous devons avoir un état de droit. Moi, je ne vois pas ce que je peux lui demander. Je crois que dans une famille, il y a toujours des enfants parfois qui sont capricieux. Pour moi, les chiens à boire, la caravane passe. Hein. Le serment est déjà reçu par le chef de l'État. On ne va pas revenir, on avance. Et nous nous battons pour un état de droit, l'indépendance de la justice. Les journalistes qui ont nommé les nouveaux magistrats pour amener un nouveau souffle au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc c'est ça notre présence ici. Et les FCC participent au pouvoir. Nous ne pouvons pas dire qu'il est dans l'opposition. Nous, c'est nous qui sommes de l'opposition. Nous, les députés de la Mouka, parce qu'on a choisi être des opposants et on choisit être du pouvoir. Et quand ils refusent de pouvoir participer à la prestation du serment de juges de la Cour constitutionnelle, là nous disons que eux-mêmes sabotent les institutions que eux-mêmes sont en train de gérer, d'animer. Nous voulons qu'il soit impartial. Nous voulons qu'il soit impartial parce qu'il y a, il y a la République, tout le peuple qui compte sur eux. Alors ils doivent changer, ils ne doivent pas être comme les anciens juges qui viennent d'être remplacés. Oui, ça, donc ça, c'est l'impartialité que nous voulons que ça leur caractérise. Donc je ne saurais pas vous dire maintenant. Je ne saurais pas vous dire maintenant parce que je ne suis pas du FCC CACH. Ce sont eux qui vont gérer leur coalition. Bon, pour ce qui est de la magistrature, vous savez que dans son programme, il a parlé de ça. Vous savez que pour lui, nous devons absolument avoir notre état de droit. Et l'état pour lequel nous nous sommes battus depuis 37 ans, pour que ça puisse changer. Et l'état de droit ne peut exister sans qu'il y ait une magistrature équitable. Et pour ça, il fallait mettre en place tout le conseil de la magistrature. Je pense que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Que Mme Mabunda ne soit pas présente, ou le chef du Sénat, mais il y a eu M. Samy Badibanga qui était là. Et on a vu aussi beaucoup de sénateurs et députés qui étaient dans la salle. Mais en fait, même s'ils n'étaient pas tous venus, mais nous, la population qui sont supposés représenter, nous étions là. Et le serment, c'est au chef de l'État que les autres pouvaient le présenter. C'est ce qui a eu lieu. Donc, leur absence, pour moi, je pense que c'est un non-événement. Non, vous savez, les gens... Je ne pense même pas qu'ils ont boycotté. J'ai vu beaucoup de gens de FCC là-dedans. Mais peut-être Maman Mabounde qui n'est pas venue
étant moi. Bon, vous savez, nous sommes en train, nous sommes en face de deux réalités. Il y a les gens qui veulent le Congo démocratique comme tous les autres pays du monde, mais il y a les gens qui se battent pour un Congo, des gens qui sont comme des esclaves. Et si les gens veulent être libres, la liberté c'était aujourd'hui. Et nous tous on se bat pour ça. Non, mais qu'est-ce qu'on a violé? Parce que les magistrats ont été nommés par le chef de l'État, lui qui en a le pouvoir. Et le chef de l'État, c'est aussi à lui que les gens là devaient faire leur serment. Je ne vois pas où est-ce que ça n'a pas été conforme. On peut retenir, nous avions respecté les termes de l'article 158 de la Constitution. Et l'article 10, c'est-à-dire les deux chambres doivent être réunies pour la prestation de serment. Le chef de l'État a respecté, il y a eu deux chambres. Même s'il y a eu absence de titulaire, mais les adjoints constitutionnellement sont autorisés à assister. Donc l'affaire est réglée. Ces magistrats maintenant, ils vont aller prester, ils ont presté serment, maintenant ils doivent aller prester à leur poste. Donc l'affaire là, de la est terminée. Vive la nation. Et la nation a demandé à Félix la dissolution. On ne peut pas travailler avec les gens qui s'attêtent contre vous. Il faut dissoudre ce parlement pour que vous puissiez récupérer partir dans de nouvelles bases. S'il y a la dissolution, il n'y a plus la majorité. Nous allons former une majorité en faveur de Félix. Le FCC sera dans l'eau. Mais oui, la dissolution est là. On a déjà réclamé par la population, par vous. Vous voulez maintenant vous. Quand il y a conflit entre le parlement, le gouvernement et le président de la République, c'est la dissolution qui prime. C'est la dissolution parce qu'il y a conflit. Les autres ne sont pas venus. Peut-être qu'ils ont été empêchés par la pluie. Mais on va examiner la pluie. Ils ont payé de la pluie, mais nous allons examiner la requête. Alors, ils ne sont pas venus. L'État les a donné des véhicules, au fêlé. Comme ils ne sont pas venus, nous allons tirer des conséquences. Est-ce qu'il y a une crise en gestation? Il n'y a pas de crise. Mais nous tendons seulement vers la dissolution. C'est simple, n'est-ce pas? Parce qu'on ne s'attête pas contre le chef de l'État élu. Il est élu, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, c'est pourquoi je suis derrière le chef de l'État pour régler certaines choses. Le peuple. Vas-y, maintenant! Vas-y, le peuple a demandé Mokia, la défense, le chef de l'État a entendu. Si je prends la défense, les restes vous connaissez. Très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, de la confiance que vous nous accordez au sein de votre magazine Top 243 News, diffusé sur votre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV. Vous avez suivi comment les événements ou bien la cérémonie s'est déroulée au sein de l'Assemblée nationale, plus précisément dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Restez connectés dans votre magazine, abonnez-vous massivement sur Entrepreneuriat TV, votre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.